Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'amour invincible, épisode 36 et 37. Pendant que Jean, Kika arrive saoule, Gail lui demande ce qui se passe. Elle fait comprendre à son père que leur divorce l'affecte. Pendant ce temps, David pense énormément à Léona. Mais celle-ci, de son côté, est heureuse d'avoir passé son après-midi avec ses enfants. Elle confie par la suite à Consuelo que Gaël est amoureux d'elle et qu'il veut divorcer. Sachant Consuelo, elle lui demande si Gaël est retombée amoureuse d'elle. Mais Léona dit à Consuelo comment croire en son amour, vu qu'il a menti depuis leur jeune âge sur ce que faisait son père. Plus loin, Léona confie à Consuelo et doit rentrer dans cette famille. Kika, de son côté, continue à piquer sa crise. Gaël lui demande que peut-il faire pour l'aider. Elle lui demande de ne pas divorcer de sa mère. Léona, pendant ce temps, dit à Consuelo que Gaël a toujours profité de son amour. Maintenant, c'est à son tour de profiter de lui. Consuelo trouve son plan dangereux. Elle lui demande si elle aime toujours David. Léona dit à Consuelo qu'elle est déterminée à arrêter de l'aimer. De l'autre côté, pendant ce temps, Gaël dit à Kika, il ne divorce pas pour qu'ils souffrent, mais que leur mariage n'est qu'un mensonge et il ne marche pas. Celle-ci continue à demander à son père de ne pas divorcer de sa mère. Columba, pendant ce temps, rappelle à Ramsey qu'elle lui a toujours été fidèle. Elle lui dit son seul ennemi, c'est Gaël. Il dit à Columba, il entraînera son fils avec lui s'il tente de le faire tomber. Columba propose alors à Ramsey son aide pour y arriver. Puis ils se mettent de l'autre côté pendant ce temps. David demande à sa nièce qui est triste ce qu'elle a. Flore leur raconte que Lily a besoin de voir son père, mais cela n'est pas du goût de Clara. Elle se met à s'agiter. David calme sa mère. Il leur rappelle que Sylvana a abandonné Flore en plein mariage. David demande à Flore de le prévenir avant si son ex-mari la contacte. Flore accepte. Columba, elle, rejoint Gaël dans la chambre. Elle lui dit que cette décision de divorce affecte leur fille. Mais Gaël lui dit les conséquences que vivent leurs enfants, c'est parce que leurs parents ne s'aiment pas. Columba rappelle à Gaël que elle aime. Elle lui dit qu'elle aimera pour toujours. Columba dit à Gaël qu'elle restera une torée négro jusqu'à la fin. Il lui dit que c'est juste le nom qui l'intéresse, ses enfants ne l'intéressent pas. Il a trait de criminel, il confirme son divorce et va dormir dans la chambre d'amis. Columba se met à pleurer. Léona, de son côté, retrouve Flore. Elle demande à Flore si elle peut effacer le nom de Gaël dans leur rapport. Cela choque Flore et lui rappelle qu'ils ont perdu des collègues dans cette affaire. Léona lui dit si elle continue à enquêter de manière officielle sur Gaël, elle prend beaucoup de risques. Elle continue à parler de l'enquête. Elle promet d'arrêter un jour ensemble les torrents négros impliqués dans le trafic. Celui-ci, pendant ce temps, demande à son enquêteur s'il a trouvé le nom de la personne qui les a balancés. Mais l'homme lui dit qu'il s'agissait d'une source anonyme. Le monsieur l'annonce mettre fin à leur collaboration pour éviter qu'il se fasse prendre. L'homme lui demande si c'est son fils Gaël qui les a balancés. Ramsey lui dit que non. Il lui dit son fils est un fauteur de troubles, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Benjamin, pendant ce temps, dit à sa mère quelque chose en Léona lui fait du bien. Plus tard, Léona se réveille en pleine nuit, après qu'elle ait rêvé de son agression. Anna ou Oulia vint vers elle. Léona s'excuse pour l'avoir réveillée. Elle dit à Léona, elle ne dormait pas, elle pense à sa mère. Elle se met à parler à Léona de son mal-être. Elle pleure. Léona se met à la rassurer. Anna Oulia annonce par la suite à Léona qu'elle veut retourner chez elle. Léona est déçue, mais elle lui dit qu'elle va lui manquer. Elle dit à Anna Oulia, son matelas sera toujours là au cas où si elle vient leur rendre visite. Anna Oulia accepte. Le lendemain, alors qu'il nage, Columba se déshabille et vient chercher un rapprochement avec Gaël. Mais il ignore et s'en va. Columba est déçu. Il voit David, il appelle. Il lui demande si tout est prêt pour l'opération de sa sœur. David accepte. Il informe Gaël que c'est une opération de plusieurs heures et qu'il est sûr que ça va bien se passer. Il demande ensuite à David s'il a un problème avec lui. Il lui rappelle qu'il voit son animosité depuis le premier jour. David lui dit qu'il est amoureux de Léona et il le sait qu'il est aussi intéressé par elle. Gaël lui demande si c'est lui le petit ami avec qui c'est fini. David accepte. Gaël ne parle pas, les deux se regardent comme ce qui s'est passé dans le passé. David annonce à Gaël que Léona est son ex. Esteban demande à David pourquoi avait-il refusé le jour où les a vus dans le quartier. David lui fait croire à ce moment-là qu'ils venaient de se rencontrer. Gaël le nargue et lui demande qu'est-ce qui est arrivé à cet amour. David dit à Gaël leur amour est plus fort que jamais, que leur couple est juste en pause. Esteban dit à David, vu qu'il était honnête, en lui ouvrant son cœur, il fera de même. Il dit donc à David que Léona lui plaît et ce n'est pas passager, il est vraiment amoureux d'elle. David lui rappelle qu'il est marié. Il dit à Gaël, jamais Léona sera son amante. Gaël annonce qu'il a entamé une procédure de divorce. David dit à Gaël, il se battra pour reconquérir Léona.
Gaël, plus loin, demande à David de se concentrer sur la guérison de sa sœur. Ce qui concerne Léona et lui, il ne le regarde pas et s'en va. Colomba les avait écoutés. Plus tard, ils se rassemblent tous pour réconforter Camilla avant son opération. Gaël annonce par la suite à Kika qui va l'interner dans un centre spécialisé Sagas, la jeune fille et Colomba. Mais David lui fait comprendre que ça sera bien pour leur fille. Il dit à Kika, il aime, ça agace Kika. Elle leur dit, ils veulent juste se débarrasser d'elle en l'emprisonnant. Gaël dit à Kika que c'est un endroit bien. Kika supplie sa mère de ne pas la laisser aller là-bas. Léona et Anaouli arrivent. Tout le monde est heureux, sauf Kika et sa mère. Jacinta, pendant ce temps, n'a pas réussi son examen. Elle est déçue. Benjamin promet de l'aider à mieux le préparer pour la prochaine fois. Anaouli, de l'autre côté, dit à son père qu'il ne l'a pas cherché. Mais Calixto tente de l'embobiner. Kika se met à s'agacer et dit à sa famille que tout le monde accueille Anaouli avec joie. Et elle, il l'envoie en prison. Gaël dit à sa fille, c'est pour l'aider à se sentir mieux. Mais Kika ne décolère pas et s'en va. Camilla derrière remercie Léona. Mais Colomba se met en colère contre Léona. Ça agace Gaël. Plus tard, Léona informe Gaël que Josepha doit être l'image de l'entreprise. Ça rend heureux Gaël. Puis, il vient lui demander d'aider Kika à se sentir mieux. Elle accepte. David, de son côté, rumine de colère après les confidences de Gaël sur Léona. Il tape quelque chose avec son pied. Colomba le surprend. Il propose à David de solutionner son problème. Par la suite, David accompagne Camille au bloc. Léona voit Kika. Elle informe qu'elle va l'aider. Mais la jeune fille l'accuse d'être la cause. Elle s'en va. Plus tard le soir, Léona confie à ses proches que les Théonégros doivent payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Elle dit à ses proches qu'elle aura besoin d'eux pour les détruire. Elle leur annonce que Gaël doit tomber amoureux d'elle. Et elle doit l'épouser. Consuelo lui demande si elle ressent quelque chose pour Gaël. Léona accepte et lui dit qu'elle ressent de la colère, du ressentiment et du mépris. Elle leur dit si elle se rapproche de Gaël, c'est par stratégie. Ses proches tentent de la raisonner. Léona en pleure, leur appelle ses souffrances. Elle leur dit qu'elle aura des armes si elle épouse Gaël. David, de son côté, arrive à la maison, il voit sa sœur. Celle-ci, qui n'arrive pas à dormir, lui dit que tous les jours qui passent, elle accumule plus de culpabilité à propos de Benjamin. Il lui dit qu'elle a bien élevé Benjamin, mais au final, elle doit lui dire la vérité, ça rend Jacinta en colère, puis elle s'excuse. Benjamin les voit se disputer, c'est l'intrigue. Romero, de l'autre côté, annonce à Josepha qu'il a accompli sa part, vu que Anaouli est venue. Colomba arrive et dit à Josepha qu'elle n'aurait jamais cru utiliser un amant pour faire revenir sa petite fille. Josepha lui dit qu'elle a fait pour sa famille. Elle lui dit qu'elle n'est pas comme elle. Plus loin, leur discussion se tend. Colomba demande à Josepha que cache-t-elle dans le renouvellement de ses vœux. Elle lui demande si elle cache quelque chose ou si en faveur des infidélités. Josepha lui donne une gifle bien appliquée et lui rappelle qu'elle est sa belle-mère. Colomba dit à Josepha si elle divorce de Gaël, elle ne va pas se contenir, elle s'en va. Gaël, pendant ce temps, est en colère de voir son père à l'hôpital. Il dit à son père par la suite attendre impatiemment que son règne tombe. Plus tard, il vient annoncer à sa famille que l'opération de Camilla a été un vrai succès. Ils sont tous heureux. Consuelo et ses proches de leur côté apportent leur soutien à Léona et le remercient. Plusieurs jours passent. Léona va voir Jacinta. Elle lui demande combien de temps va-t-elle continuer à ne rien dire. Elle lui dit son âme désire que Benjamin sache qu'elle est sa mère. Camilla, pendant ce temps, n'en revient pas que Anaouli soit à ses côtés. Le lendemain, David fait venir Léona chez lui. Il dit à Léona, ses propos ont affecté sa sœur. Il lui raconte ensuite que Columba, Ramsey et Calixto ont eu une réunion. Ramsey est détendu. Il demande à Léona si elle a quelque chose à voir avec ça. Il lui demande ce qui se passe. Elle refuse de lui parler de ses projets et s'en va. Kika est de retour du centre de redressement. Elle se plaint et dit à sa mère, elle aurait aimé qu'il vienne la voir au centre. Mais Colomba lui dit qu'elle ne veut pas de problème. Elle lui rappelle les règles qui existent dans cet endroit. Elle dit à sa fille, le centre ne leur a jamais donné le feu vert. Elle demande à sa fille de penser maintenant positive. Elle lui demande de réfléchir maintenant à leur prochaine étape. Ça agace Kika et refuse. Mais Colomba demande à Kika d'éviter les problèmes pour éviter d'affecter leur famille. Jacinta, pendant ce temps, stresse pour cette histoire de Benjamin. Sa mère lui propose une solution. Camilla, de son côté, annonce à David, grâce à lui, elle a récupéré sa sensibilité. Ils sont heureux. Léona, elle, tombe sur Gaël à l'entreprise. Il est sous son charme. Il dit à Léona qu'elle est belle. Elle aussi, elle lui retourne le compliment en lui disant qu'il est beau. Léona se met à séduire ouvertement Gaël. Fin des épisodes.